joie de tous vous reconnaître. C'est la joie ou l'émotion peut-être. Car de vous savoir là, de là-haut jusqu'en bas, c'est tout ce que ma mémoire montre à moi. Je vous ai reconnu, madame, à vos jolies fossettes. Je vous ai reconnu, à votre petit nez en trompette. Et vous qui chaque soir, caché dans le promenoir, venez quand je sortais, pas pendu dans mon cœur. On a été accueillis comme des rois au Théâtre des Gémeaux. Voilà, on a eu le prix coup de cœur de Avignon Unisson hier. Donc oui, voilà, on est très heureux. Ouais, on est très heureux de cette belle aventure. On a une super équipe. On est cinq. On n'est pas que tous les deux. On est cinq au plateau. C'est une super aventure. On est un peu triste aussi que ça soit terminé. Mmh. On est fatigué, mais ouais, on a vraiment triste, été bien reçus aux Gémeaux. On n'a pas envie de rentrer chez nous. Mmh. Si elle n'est pas capable d'encaisser, qu'elle change de métier. Pas de place aux coulisses pour les faibles. Mais enfin, t'as vu comment elle danse? Elle est molle comme une gifle. Elle n'a aucun sens du rythme. Elle a surtout un très gros défaut. Elle est jeune. C'est leur histoire, moi, qui m'a touchée. Elle avait 13 ans de plus que lui. Déjà, il y a un côté, moi, ça me plaisait bien. Ils sont tous les deux partis de rien pour arriver tout en haut. Et c'est en fait avant tout, moi j'adore la compagnie sans les arts, c'est notre spécialité, on fait de la chanson française et on aime faire redécouvrir ces chansons-là aux gens. Mais là c'était aussi cette histoire d'amour qui était belle, universelle en tant que femme, moi elle m'a touchée. Parce que c'est une histoire comme plein de gens peuvent en vivre. On n'a pas besoin d'une star pour vivre cette histoire d'amour. Et voilà, même si on ne connaît pas Miss Tinguette et Chevalier, c'est une belle histoire. Quand on voit, on trouve que j'ai ce petit jeune, c'est quoi, qui fait que souvent l'on me fait les yeux doux, ce qui me flatte beaucoup, je l'avoue. J'aime flatter, quand on me plaît, je le dis sans hésiter. Dès que j'entends un refrain des faubourgs, je m'attendris toujours. Je connais tous les mots d'argot, mais j'aime tenir quand il faut. Marie-Thérèse Roy qui a écrit la pièce, on travaille ensemble depuis très longtemps. Ouais. Donc voilà, il y avait une première mouture effectivement du spectacle et ensemble on a retravaillé et c'est elle qui l'a réécrite. Ouais. Patrick Halluin, du coup je l'ai rencontré parce qu'il avait fait Exit et que j'avais beaucoup aimé la pièce. Donc du coup, je lui ai proposé, on a beaucoup discuté et on a vu que nos versions, enfin nos visions étaient totalement compatibles. Et donc, il a traité ça avec... Il s'est emparé du projet avec bienveillance, courage, exigence. 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 Ça. Et Marie-Jo Buffon, qui nous a fait les chorégraphies aussi, c'est un binôme de choc. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et ensuite, moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus par le biais du metteur en scène, Patrick, Didier Bailly, qui est au piano. Ouais. Okay, c'est oui. Aussi un fidèle. Il était sur Exit aussi. C'est un super compositeur, arrangeur, pianiste, comédien, chanteur... Pareil, avec une grande bienveillance, une grande exigence. Et Gaëtan Borg qui a écrit Exit. Voilà, ouais, en fait, c'est Exit. Il y a beaucoup de liens. Et moi, je jouais dans Exit. Donc on vient presque tous ouais, de là. En fait. Et voilà, et Gaëtan, il était super avec plein de danseurs, chanteurs, comédiens. Et Sophie Girardon aussi, qui, voilà, elle... Qui était venue voir Exit. Qui était venue. Pas dedans, mais qui était venue voir. Et puis qu'on connaît bien et qu'on admirait. On lui a proposé de venir nous rejoindre. En douce, je me pousse. Les hommes, je le crois, se font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Corinne Rossi a fait un travail extraordinaire parce qu'elle a réussi à faire de l'extravagance dans la sobriété. Ce qui était compliqué. Enfin, on voulait pas que ce soit dans le rococo pittoresque, mais en même temps, Miss Tinguette, c'est l'extravagance incarnée. Donc elle a réussi dans les costumes de scène de Miss Tinguette à ce qui est de l'extravagance. Et c'est très agréable à porter. Ça... Tu m'étonnes. Voilà. J'aurais aimé avoir une belle robe comme ça. Toi aussi, t'aurais été jaloux. Et puis, il y a une vraie cohérence de costumes.
qui va avec la scénographie du coup d'Antoine Mélian. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Et comme avec ce rideau à paillettes dorées, il fallait des costumes très forts pour sortir. Et c'est Moïse Hill qui a fait les lumières. Voilà, c'est un trio de choc, ils ont l'habitude de travailler ensemble. C'est l'amour qui fait tomber les prunes, c'est l'amour qui fait loucher la lune, c'est l'amour. Toujours partout, c'est l'amour. C'est l'amour qui rend sourd les concierges, c'est l'amour qui mûrit les asperges, c'est l'amour qui fait courir le ruisseau, c'est lui qui fait les arbres des bourgeons et les petits jeunes gens. À la prochaine date, c'est le 29 septembre au Calico, à Château-Thierry. Et après, on attend les retombées du festival, voir où est-ce qu'on part en tournée. Est-ce qu'on reprend l'année prochaine le festival? C'est en discussion. Comme le spectacle a beaucoup plu, on va en discuter.